Salut à tous, c'est N91 et bienvenue pour l'épisode 4 du Let's Play de Zelda 2. Donc dans le dernier épisode, on s'était laissé après avoir terminé le deuxième donjon. Puis aussi, comme vous avez vu en off, j'avais récupéré une vie et franchement, c'était vraiment que du hasard parce que même lorsque j'avais joué et tout, j'avais même pas trouvé cette vie. Franchement, c'était vraiment du pur hasard, mais bon, tant mieux, j'ai envie de dire. Puis aussi, j'avais récupéré le cœur qui était au sud du premier donjon. Puis il me semble qu'on m'avait laissé un commentaire ou un tweet. Mais bon, ouais, franchement, j'avais complètement zappé. Parce que bon, sans ça, je savais qu'il y avait ce cœur-là en question. Mais bon. Donc, bah, c'est parti, on va continuer notre aventure en passant par là. En plus, j'aime pas cet endroit-là. Vous allez savoir pourquoi, voilà. Avec les poissons, là. Enfin, les poissons squelettes. Enfin, bon, ok. En plus, il me crache des blocs de pierre. Bah, va te faire foutre. Vas-y, calme-toi. Ok. Sans me faire toucher. Ouais, youpi. Donc ici, il me semble que j'avais fait ce qu'il y avait à faire, justement. Donc, on va aller dans la maison. Ouais, ok. Bon, de toute façon, ça va. Je suis sur une route, donc il n'y a pas de souci. Ok, donc on retourne dans cette ville en question. Bon, là, j'avais tout fait, il me semble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me régénérer. Ah bah d'ailleurs je vais vous faire montrer une petite astuce, hein. Bon c'est pas un truc de ouf mais ça peut être utile. Ça peut vous être utile, c'est en ce qui concerne la magie. Donc voilà, je vais parler à la dame. Voilà. Bon je rentre chez elle. Je la ken puis voilà, non je déconne. Donc pendant que ma magie se régénère, avec par exemple moi j'ai envie de me régénérer. Bon bah voilà, je vais me régénérer. Life. Mais avant que ma jauge de magie soit complètement régénérée, je vais faire life. Hop, comme ceci. Et là, vous voyez que je me suis non seulement régénéré, et en plus, ma magie s'est bien régénérée complètement, malgré que j'avais utilisé ma vie en question. Enfin, mon énergie en question. Donc, voilà. Alors, seul quoi? Seulement la ville, Cross. D'accord, putain, je sais plus ce que je dois faire. Merde, je sais plus ce que je dois faire exactement, là. T'as me dit pas autre chose, hein? Non, bon. Ouais, c'est bon, je m'en fiche maintenant. Parce que je me rappelle, lorsque j'avais découvert le jeu, j'étais coincé ici. Mais je sais plus ce que je devais faire exactement. Enfin, je sais plus si c'est à ça ce que je pensais, mais bon. Donc, on va sortir de cette ville pour voir. Je vais aller à l'est pour voir, mais bon. On verra, de toute façon, je vais bien m'en sortir, hein. C'est juste que je m'en rappelle plus du tout. Ok, donc là, il y a quoi? D'accord. Bon, eux, on va les chasser. Voilà, en plus, là, normal, hein, j'ai les one-shot, hein, vu que j'ai augmenté mon attaque. Ouais, donc on va passer par là. Ok, d'accord. Ok, oh putain, il y a des buildos, ça, c'est juste horrible. Bon, ça va, au moins, il n'y a pas de trou, donc ça va. Ouais, d'accord, bon, on va esquiver tout ça. Du moins, on va essayer. Ah, c'était joli, franchement, c'était joli. C'était pas trop... Ouais, bon, d'accord, je ferme ma gueule. C'est trop beau. Putain, à chaque fois qu'on se complimente comme ça, on se fait avoir. Ok, donc il y a quoi ici? Ouais, une fée, why not, hein. J'aurais préféré un cœur, mais bon. Enfin, bref. Alors, ok, bon, ici. Ok, bon. Ouais, est-ce que je suis déjà allé par ici? Je me rappelle même plus. Il me semble que si, hein. Ouais, si, je suis déjà allé. Je suis déjà allé. Ouais, merde, là, je peux... Du coup, je peux pas passer... Oh, putain, mais fuck. Fuck. Putain, je sais vraiment plus ce que je dois faire, quoi. Merde, alors. Ouais, d'accord, si tu veux prendre moi par derrière, j'irai rien, hein. Donc je sais qu'il y a des trucs secrets ici. Ouais, d'accord. Ouais, vas-y. Oh putain, ils sont chiants ces oiseaux de malheur là. Vas-y, mais casse-toi toi. Bon, ça va, j'avoue, il me donne 20 points d'expérience, c'est déjà pas mal. Toi, tu dégages. Ok. Non, je sais plus s'il y a un truc caché. Mais putain, mais allez vous faire foutre. Putain, en plus lui m'enlève des points, il me semble. Non, c'est bon. Je confonds avec l'autre qui lance, justement, ses lances, quoi. Donc, ah, mais là, franchement, je me fais spammer de partout, là. C'est juste horrible. Bah, écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais aller... Attends, je vais me poser, voilà.
Toi, touche-moi si tu veux, voilà, amuse-toi. Donc, je vais aller à l'endroit où, où je voulais y aller, mais bon, pour aller plus vite, je vais faire une ellipse, donc je vous dis à tout de suite. Ok, donc c'est bon, finalement, j'ai trouvé l'endroit où je devais y aller. Il me semblait bien que c'était un endroit caché. Donc, oui, de toute façon, je n'ai pas utilisé de Solus. C'est une chose est sûre, c'est que je n'utiliserai pas de Solus, en tout cas pour ce qui est pour l'avancement de l'aventure. Donc, voili, voilou. Alors, bon, on va parler au monsieur. Dis quoi, bague et mon nom. Montre-moi la note ouais, du gars de la rivière, quoi. Ok, donc voilà, je vais montrer la note. Donc, c'est parfait. Donc, bah, ce que j'ai à faire, bah, je vais retourner justement où j'étais coincé tout à l'heure. Ok, bon. Donc là, on dégage ici. Ouais, d'accord. Moi, là, j'ai pas fait exprès. Toi, tu dégages. Franchement, ça fait trop plaisir de les défoncer en one shot. Ouais, t'as, il m'a touché, enfoiré. Vas-y, hein. Voilà. Ok. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que c'est vrai que dans ce jeu, pour prendre les objets, faut carrément donner un coup d'épée. Donc, bon, voilà. Donc, allez, passons par le pont. Le pont merdique avec les poissons squelettes, là. Donc, lui, il va me poursuivre, il va me cracher des pierres. Dégage. Dégage, tu vas pas me toucher. Yes. Nickel. Ok. Donc là, je crains rien vu que je suis sur, sur une route normale. Donc, allez, c'est parti. Allez, petit turbo, hein. Donc, bon. De toute façon, elle esquive. Je sais plus si je vous avais dit ça dans le dernier épisode, mais c'est vrai que dans cette ville, faut faire gaffe parce que il y a des gens qui se transforment en chauves-souris vu qu'en fait, c'est des espions de Ganon. Non, eux, ça va. En fait, c'est tout à fait aléatoire. Hein. Vas-y, je te parle. Bon, visiblement. Ah, voilà. Donc, comme vous avez vu, elle s'est transformée en chauve-souris. Donc, je peux la tuer. Non, merde. Toi, je te tue. Bon, en plus, il rapporte que 3 points d'expérience et je me suis fait toucher. Mais bon, c'était juste histoire de vous faire montrer. Enfin, bon. Donc, non, c'est pas par ici. Encore plus loin. Donc, allez, petit speed. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Tu sais, tu connais, non, tu connais Bag. Quoi? Ok, d'accord, je peux, ouais, d'accord, bref. Moi, je vous ai dit, l'anglais et moi, ça fait deux. Du moins, ça dépend. Ça dépend des phrases, des mots, etc. Je ne vous le cache pas. Ok, donc, ça c'est fait, on a traversé. Oui, ça c'est l'Otsaria, on sait. On pourra progresser dans l'aventure. Donc, bah, c'est parti. Ah oui, putain. Voilà, je sais qu'il faut que que je trouve un objet. Et là, c'est pas vraiment que c'est un labyrinthe, mais il faut prendre le bon chemin. Et là, ça va être hard. Vous verrez pourquoi. Bon, les blobs, pour l'instant, il y a rien de difficile, mais vas-y, sautez, là. Putain, vas-y, faites pas du zoning, s'il vous plaît. Voilà, dégage. Ok, ensuite. Bon, lui, il est chiant. Lui, il veut me faire un deuxième trou de balle. Oui, c'est raté. Lui aussi, non mais dégage. Ok, j'avoue, je joue trop mes malins à ne pas utiliser le bouclier. Enfin, du moins, la protection, voilà. La protection, plutôt. Ok, ça c'est fait. Même si je me suis fait toucher par ces merdes. Enfin bon. Là, franchement, je vais plus ou moins au hasard. Bon, là, il y a les Octoroks. Enfin, les... ouais, Octoroks, plutôt. Rien de compliqué. Juste à ne pas se faire toucher. Voilà. Oh putain, il y a le mec avec le boomerang. Donc là, je vais pas jouer mes malins. Putain, cette fois, il est bleu. Donc il doit être plus fort. Vas-y, là, je vais jouer bourrin. Ok, nickel. 30 points d'expérience. Franchement, c'est pas à cracher dessus. Hop, hop, dégage. Franchement, vivement que j'apprends les nouveaux... du moins, les nouvelles techniques, là. Franchement, ça sera plus évident. Vas-y, lui, on va le skipper. Oh, dommage. Oh, j'aurais bien voulu l'avoir en tournant au dernier moment. Putain, j'arrive même pas à le toucher. Dégage. Merci. Ok, allez, on continue. Bon, le Blobs, lui, voilà, il voudra sauter au dernier moment. Toi, tu dégages. Les chauves-souris, on les chasse aussi. Vas-y, venez, là. Moi aussi, je sais jouer au zoning. Voilà. Allez, viens ici. Ouais, vas-y, on va aller. Non. Putain, je voulais les esquiver, mais bon. Franchement, je vais me régénérer. Quitte à utiliser un peu de magie, mais bon, voilà quoi.
Ok. Donc, voilà, dégage. Ensuite, bon. Ah oui, alors, c'est... Eux, ils sont très très chiants. Ils me font très très mal aussi. Donc, shield direct. Là, c'est une question de timing. En plus... Oh, putain, merde. Ouais, de toute façon, je peux pas les défoncer avec mon rayon. Mais bon. Donc, comme vous avez vu, j'ai bien pris cher, hein, malgré que je me suis protégé, du moins pour l'instant. Ok, donc, par où? Gauche ou droite? Bon, elle est à droite, hein. Ok, là, faut que je fasse gaffe, voilà, parce qu'il y a les poissons de merde, là, putain. Ils sont chiants. Putain, mais... Viens, il me touche, quoi, l'enfoiré. Vas-y, mais cassez-vous! Putain, comme par hasard, je vais tomber en plein de... Vas-y, mais va te faire foutre, quoi. Ok, c'est bon. Putain, je pense que je vais perdre une vie. Bon, de toute façon, il me reste une vie. Du moment que je ne fais pas de game over, c'est bon, quoi. Enfin, du moment que je récupère l'objet en question, avant le game over, c'est bon. Après, franchement, je m'en fous de faire de game over, honnêtement. Ok, donc là, il y a une potion rouge. Ouais, non, 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 c'est mort. Attends. Oh putain, je peux même pas utiliser le bouclier. Oh, c'est mort, je vais faire un aller-retour histoire de le faire dégager. Ok, donc on va utiliser le jump. Ah, mais je peux même plus utiliser le jump. Wow, je suis dans la merde là. Je suis dans la grosse merde. Franchement, si j'arrive à le défoncer, respect quoi. Il lance ou pas lui? Ah, ouais, lui il lance, putain. Dégage. Vas-y, lance. Connard. En plus, il lance pas, c'est H constamment ça le problème. Donc je peux pas trop calculer le timing quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, life, bah, non, pas life, shield, voilà. Attends, je savais même plus ce que je voulais faire. Voilà. Bon, là, je pense que je vais jouer un petit peu bourrin. Vas-y, mais va te faire foutre, quoi. Il veut pas mourir. 100 points d'expérience, quand même, c'est pas craché dessus. Ok, donc, ouais. Bah, autant utiliser la magie pour me régénérer, voilà. Hop. Voilà, un petit peu de magie, on va jumper. Ok, nickel. Hop là. Et voilà, comme ça je récupère toute ma magie. Il y a des fois, faut jouer un peu stratégie. Hein. Ok. Donc, qu'y a-t-il au bout? D'accord. Là, franchement, ce qui m'intéresse... il me semble qu'il y a un cœur ou un truc de magie, là. Un conteneur de magie, mais bon. Ouais, bouclier. Je vais pas jouer mes malins. Vas-y, là. Dégage. J'avoue, je joue bourrin. Hein. Je ne vous cache pas. Voilà, on se protège. Toi, la chauve-souris, tu vas dégager. Rentre chez toi. Merci. Putain, il y a plein de chauves-souris. Oh, putain, alors lui... Oh, putain. En plus, il se recule... Lorsque je m'avance, donc ce qui me fait qui va me toucher en fait. Putain. Mais vas-y, rentre chez toi, merde. Oh, puis fuck. Voilà, dégage. Oh, nickel, je vais me régénérer. Hop, life, tac. Ah, franchement, ça ne pouvait pas mieux tomber. Vas-y, la chauve-souris, descends là. En plus, il y en a deux. Elles font des Kagebushin no Jutsu là, la Naruto, et vas-y, va te faire. Vas-y. Oh merde. Putain, il est... Elle esquive toutes mes attaques. Et en plus, toi... Dégage, voilà. En plein vol, en plus. Ok. Ah, franchement, je suis presque arrivé. Donc toi, tu rentres chez Watt, s'il te plaît. Hop. Oh, c'était... Franchement, c'était magnifique. Le mec, il se vante pas, quoi. Vas-y, toi, tu vas pas me toucher. Ok. Allez, encore une fois, ou deux fois, j'en sais rien. Ok. Ah ouais, c'est bon. Donc là, ça augmente ma défense. Donc ça fait plaisir. Putain, ça va, franchement, je suis assez bien avancé. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que dans ce jeu, vaut mieux être bien avancé au niveau de ses capacités, parce que sinon... Oh putain. Vas-y, on va faire comme tout à l'heure. Voilà. Allez, encore une fois. Oh putain, il m'a touché. Dégage. Ah, c'est chiant, ça. Ok, ouais, c'est bon, allez, hop. Allez, on est presque arrivé. Ok. Oh, putain. Ouf.
J'ai eu chaud. Bon, allez, on va faire le petit fou sans bouclier. Dégage. Oh putain. Ah, comme vous avez vu, j'ai bien pris cher là. Non, parce que le truc, il fallait que je me barre direct lorsque je touchais en fait. Ce que je n'avais pas fait. Magie pour l'instant, j'en ai pas besoin. En fait, faut que je touche et direct je me barre. Oh putain. Merde. Oh l'enfoiré. Putain, il a temporisé son attaque, l'enfoiré. Oh putain, mais avec le blobs aussi, ça va pas le faire. Dégage, toi, rentre chez toi. Voilà. Ok. Oh putain, l'enfoiré. Ok, fouf. Là, franchement, je joue en fitness. Hein. Vas-y, dégage. Merci. Bah, je vais me régénérer, vu qu'il y a la potion rouge. Faut toujours faire ça. Hein. Hop, et hop. Voilà, comme ça, je gagne tout. Ok, donc là, je dois passer par ici. Là, ça va être un peu hard, je pense. Ok, alors, en plus, lui, il lance ses haches. Vas-y, lance tes trucs. Hop. Oh, putain, merde. Vas-y, arrête, là. Laisse-toi faire. Merci. Bon, ça va, j'ai pas trop pris cher au total, mais bon. Bon, toi, tu dégages. Merci. Ensuite, toi aussi, tu as dégagé. Il a même pas eu le temps de se transformer, le pauvre. Tac, tac. Oh, oh merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Non, là, ça va le devenir si je fais pas attention, en fait, là. Donc là, comme vous avez vu, maintenant, lorsque j'utilise... ouais, je vais me régénérer. Lorsque j'utilise ma protection, enfin le bouclier comme vous voulez, je consomme moins de magie par rapport au tout début. Je sais pas si vous en souvenez, donc voilà. Voilà l'utilité lorsqu'on augmente la magie. Oh, c'était magnifique. Honnêtement, c'était magnifique. Je vais aller tout droit. Après, je vais descendre si nécessaire. Donc ouais, ça sera nécessaire plutôt. Là c'était juste un cul-de-sac, mais bon, rien de méchant. Rien de méchant. Ok. Donc bon allez, on va aller à gauche vu que je suis gaucher. Ah putain, il y a des petits pics là. Oh putain, en plus l'autre qui lance ses trucs. Vas-y, non, vas-y, vu que j'ai utilisé mon bouclier, je vais le défoncer. Lance. Ah dommage. Vas-y, mais dégage. Voilà. Donc, du coup, on va aller à droite. Putain, décidément. Putain, c'est dommage. Oh, merde. Vas-y, mais rentre. Ouais, d'accord, il est tombé du truc. Oh là 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 là. Là, faudra que je fasse gaffe, parce que mourir comme ça serait vraiment dégueulasse. Donc là, si je veux, je peux aller bourrin comme un PGM, mais là, j'ai pas envie de faire le PGM, parce que si je perds, vas-y, saute. Voilà. Franchement, perdre dans un truc de plateforme dans Zelda 2, c'est juste ce qu'il y a de plus horrible, quoi. Ok, ok, nickel. Ok, non, vas-y, je vais me régénérer, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Oh putain, je prends cher. Ok, ça c'est pas mal. En plus, c'est pas fini, il me semble. Oh putain. Oh, c'est chaud là. Vas-y, dégage. Oh yes, 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 yes. Donc voilà, l'objet, c'est le marteau. Ok, au moins si je fais un game over, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. J'ai l'objet le plus important du jeu. Bah justement, le marteau qui permet de casser les blocs de rochers qui me barraient la route. Enfin, de toute façon, vous allez voir. Donc là, je peux... Je peux mourir en paix. Ok, là j'allais jouer le bourrin. Là toi tu dégages, merci. Hop, 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 hop. Putain, Link c'est un ninja en secrète. Hein. Ok, d'accord. Ouais, bon là je vais mourir, c'est pas grave. Allez, c'est reparti. Bon, juste que j'ai perdu mes points d'expérience, mais bon, de toute façon rien de grave, parce que non seulement j'ai augmenté de niveau, puis voilà quoi.
Enfin bon, de toute façon, vu que j'ai le marteau, tout ça ira plus vite. Allez, 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 quand tu veux. Donc voilà, grâce au marteau, allez, boum. Voilà, ça c'est fait. Ok. Ensuite, bah, on va aller dans cette grotte. De toute façon, j'y serais allé dans tous les cas. Ouais, donc ça, je peux pas les défoncer pour l'instant, les pics, là. Toi, je te défonce, normal. Ouais, les boucliers direct. Vas-y, là, dégage. Rentre chez toi. Ok. Ensuite... Ok, donc voilà. J'ai un conteneur de cœur. Enfin, d'énergie. C'est juste... très, très cool. Comme ça, je pourrais plus encaisser les attaques ennemies. Donc, voilà, voilou. Donc, il me semble qu'il y a encore une grotte qui est bloquée justement par un rocher. Donc, on va y aller de ce pas. Donc, du coup, je pourrais aller par là. Bon, j'irai après. J'irai après. Ensuite, ouais. Oh, mais non, mais allez vous faire foutre, vous. Ils sont chiants en plus, là. Ils viennent comme des kamikazes, ces enfoirés. Je sais pas combien de fois j'ai eu le mot enfoiré durant cet épisode, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, c'est pas grave, on va passer par les poissons squelettes, là. Donc, vas-y, saute si tu veux. Hop là, olé. Oh putain, c'était joli. Ok, merde. Oh, mais je dois refaire le chemin ou. Putain, ça c'est chiant. Ouais, en revanche, je dois refaire le chemin. Enfin bon. Bah écoutez, ce que je vais faire, je vais faire une ellipse, histoire d'aller plus vite, donc... Ouais, ok, bon, je sors de là, et puis après je vous dis à tout de suite. Ok, donc nous revoici à la sortie de la grotte, hein. De toute façon, lorsque j'étais mort la dernière fois, on n'était pas très loin. Donc bon, on s'en fout un petit peu. Du coup, bah tiens, je vais aller voir là, vu qu'il y a un bloc de rocher, je vais le péter. Voilà, ok, donc où cela nous mène? D'accord, ok, nickel. Un conteneur de magie en plus, ça fait plaisir. En tout cas, je n'ai pas fait ça en vain. Donc en plus, on ressort juste là, donc c'est juste nickelus. On ne saisit pas, mais on s'en fout. Ok, donc du coup, avant ça, je voulais aller à droite, justement, dans la grotte qui se trouve à droite. Putain, mais ils sont chiants, ces monstres de merde. Hop, hop, dégage. Ça va, heureusement que cette bestiole-là, elle n'est pas mobile. Enfin, du moins qu'elle reste sur place. Ok, toi tu dégages. En plus j'ai un sachet de points d'expérience, c'est juste nickel. Ok, donc nous allons ici. Voilà, sans tomber sur un monstre, c'est cool. Donc là, faudra que je fasse hyper gaffe parce que en plus mourir dans une séquence de plateforme, c'est ce qui est le plus horrible hein, dans Zelda 2. Franchement, je préfère mourir en me faisant toucher par une bestiole que de mourir dans le vide ou dans de la lave, quoi. Donc vas-y, saute. Voilà. Oh, nickel, il a même plus le temps d'attaquer. Donc voilà, vaut mieux faire attention. En plus, j'ai perdu une vie entre... Oh putain, là, j'ai eu chaud. J'avais perdu une vie entre-temps, donc non. Ok. Bon, là, ça va, je risque rien. Même s'il y a des monstres qui apparaissent, ici, je ne risque rien. Donc, on va passer par là. Ok. Et ok. Ok, donc là je fasse gaffe, putain ça fait je sais pas combien de fois j'y... Ok, mais bon, c'est pas grave. Donc bon, allez, on va mettre la protection histoire de jouer la prudence. Parce que c'est vrai que je joue assez bourrin là. Vas-y, dégage toi. Ok. Toi aussi tu as dégagé, arrête de faire le ouf avec moi, merci. Donc là c'est franchement c'est pas mal, j'ai pas mal d'énergie et de magie. Bon, en plus ils ont la même quantité donc c'est juste magnifique quoi. Ok, bon. On va se protéger. Vas-y, dégage. Casse-toi, merci. Sans point d'expérience, hein, c'est pas à cracher dessus. Allez, un petit effort, ok. Ok, donc on se retrouve. Ouais, un cimetière, on va dire. Ouais, un cimetière. On se retrouve là, mais on va pas aller ici maintenant. Sur la... Oh putain. Non mais bon, là même si c'est pas trop dangereux, là c'est un peu une perte de temps. Hein. Allez. Ok. Vas-y, dégage. Merci, comme ça je peux passer tranquillement. Et on sort.
Donc allez, on va aller dans cette ville. Alors, Harbor Town of Mido. Donc Mido, un personnage de Zelda Ocarina of Time, encore une fois. Le petit con qui nous empêche de passer avant d'aller à l'arbre Mojo. Donc voilà. bon, franchement, les décors de cette ville sont un peu flashy. Surtout le blanc, là, franchement, il fait hyper mal aux yeux. Donc ouais, je vais aller voir ce qu'il y a dedans quand même. Alors, demande à Error de la ville de Ruto à propos du palace. Ouais, je sais ce qu'il va me dire. Donc, Error, si vous en souvenez, c'est le personnage justement qui dit I'm Error. Donc, il dit bien je suis Error, hein, c'est son nom. Et en fait, je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire que justement, dans le cimetière, ça je m'en rappelle, hein, il va dire que dans le cimetière, il y a un endroit secret comme quoi il faut aller au sud de la tombe ou une connerie comme ça. Donc, du coup, je vais pas faire un aller-retour. Je sais ce qu'il faut faire et voilà quoi. Mais je sais qu'il y a quelque chose que je dois prendre ici de très 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 important. J'ai bien dit de très 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 important. Donc voilà, c'est juste ici, on va utiliser le jump. Voilà, hop. Donc c'est vrai, je sais plus si je vous expliquais comment j'utilisais ma magie. Parce que ouais, en fait, faut faire pause. Bon, faut sélectionner la magie, juste poser le curseur dessus. Après, faut revenir à l'écran normal quoi, principal. Et ensuite, faut appuyer sur select pour utiliser la magie. Enfin bref. Juste une petite parenthèse. Parce que j'étais plus sûr de vous l'avoir dit, mais bon. Donc, alors. Cette fois, on se retrouve pas contre un Merlin enchanteur, mais un chevalier. Alors, quand tu sautes, presse le bouton du bas. Ok, donc voilà, j'ai appris un nouveau move, et ça, c'est parfait. De toute façon, dans le jeu, il y a deux moves. Hein. Donc, le move que j'ai appris est celui-ci. Donc je saute en appuyant en bas. Donc je sais pas, pour ceux qui jouent à Super Smash Bros, il y a une technique justement où Link fait cette attaque là. Bah voilà, c'est celle-ci. Et ça vient bien de Super Smash Bros quoi. Moi au départ je croyais que... ça vient bien de Zelda 2. Putain, j'ai des conneries en plus. Parce que moi au départ je croyais que justement c'est une technique qui était inventée dans Super Smash Bros. Mais en fait non, ça vient de Zelda 2. Mais ce n'est pas la seule. De toute façon, vous verrez pourquoi. Donc c'est bien, on a appris... une nouvelle capacité. Et ça, franchement, bon, allez, je vais me régénérer, tiens. Que ça soit la magie et la vie. Hop là. Voilà, comme ça, tout est régénéré. Ouais, franchement, ça va m'être très, très, très utile. Je vais beaucoup la spammer, hein, ça, je ne vous le cacherai pas. Puis voilà. Donc, du coup, là, il n'y a personne. Ouais, je pense qu'il n'y a personne, hein. Il n'y a pas de magicien, me semble-t-il. Je vais regarder. Non. Parce que bon, en général, quand il y a un magicien, c'est quand une dame sort d'une maison. Ah, si, elle peut-être. Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Please. Ah oui, c'est vrai, sa fille est malade. Il faut que je trouve une potion. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc... Ah, je me rappelle plus. Si, je vais voir. Je vais voir vite fait, après on va se laisser ici. Donc, si je ne me trompe pas, normalement, le médicament doit se trouver. Ok, d'accord. Je me fais chasser direct. Ah, ils sont vachement chiants, quoi. Donc, je disais, si je ne me trompe pas, le médicament doit se trouver dans cette grotte-là. Non, vas-y, rentre dedans. Putain, j'ai des fails, en plus. Ok, donc, alors, eux, ils sont casse-couilles, quoi. C'est un truc de ouf. Et moi, je saute comme un con, alors qu'il ne faut pas. Ok. Ça c'est fait, non, tu vas pas me toucher, voilà. Ok, alors lui il veut vraiment ma peau, donc je vais me protéger. En plus j'ai bientôt 2000 points d'expérience. Donc allez, shield. Vas-y, mais casse-toi, rentre chez toi là. Voilà, hors de faire le ouf avec ta hache là, tu me fais pas mal. De toute façon Link, ouais non d'accord. Link c'est un ouf. Dégage. Oh putain, tu fais chier là. Voilà. Oh putain, encore un. Vas-y, mais rentre chez toi. En plus, je peux pas me régénérer, c'est ça le pire. Ok, voilà. Voilà le médicament en question, et ça fait plaisir. Voilà, comme ça, on pourra continuer. Bah écoutez, là, cette fois, je vais faire une ellipse, hein, pour éviter que ça soit trop long. Donc, je vous dis encore à tout de suite. Allez, nous revoici dans la ville. Hein. Bon, allez, on va aller parler à la vieille, histoire qu'on soigne sa fille, en plus, à prendre un nouveau sort. Donc, je sais pas où elle se trouve en fait. Donc, de toute façon, elle devrait sortir d'une maison.
Enfin, je sais qu'elle est dans ces alentours-là, mais... Voilà, quoi. Non, c'est pas elle. Ouais, bah, je vais régénérer ma magie. Voilà. Life, voilà. Ok, nickel. Donc, allez, où te caches-tu, vieille madame? Ok, elle est là. De quoi? Ok, d'accord. Ouais, l'eau de la vie. Viens vite avec moi. Donc en gros, c'est l'objet que j'ai trouvé, hein. C'est le médicament. C'est l'eau de la vie, pas l'eau de vie. C'est pas de l'absinthe, hein, bande de piccolo, là. Non, je déconne, pas marrant. Enfin bref, donc au moins je vais apprendre un nouveau sort. This magic, quoi. Ok, ouais, d'accord, il me donne de la puissance. C'est quoi? Ah oui, c'est le pouvoir de la fée. Donc vous allez voir en quoi ça consiste. Donc je vais vous le faire montrer lorsque j'en aurai besoin, parce que sans ça je vais utiliser de la magie bêtement, et là pour l'instant je n'ai pas envie. Donc allez, on va sortir de cette ville, on va aller au cimetière, du moins on va passer par par l'endroit secret là, plus ou moins secret. Donc pour ceci, pour cela on va sortir de la ville. Ok. Donc je vais surtout faire gaffe à ne pas tomber contre des ennemis dans le cimetière, parce qu'ils sont vraiment coriaces, hein, les fantômes de merde. Ok, alors eux ils sont assez chiants. En plus il y a des miel pops là, c'est casse-couille quoi. Enfin, les espèces de pierres, enfin bon, ça ressemble plus à des miel pops que des pierres, hein, excusez-moi, mais bon. Bah, d'accord, moi comme un con je me fais toucher, c'est pas grave. Donc vas-y, apparaissez là, voilà, ok. Ok, comme ça... Je vais essayer de traverser le cimetière tranquillement. Parce qu'à chaque fois, il y a un temps de latence, hein, le temps justement que les ennemis réapparaissent. Donc, normalement, dès que je sors, je speed. Allez. Donc là, on est déjà allé. Allez, 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 tombe. Oh putain, non, surtout pas. Ce que je voulais surtout pas, quoi. Oh putain, c'était joli ce que je viens de faire, mais bon. C'était un petit coup de chance. Sans me faire toucher en plus. Ok, nickel. Ok, donc allez, fairy. Enfin, fairy, voilà. Donc, à noter que, si je ne dis pas de conneries, c'est le seul Zelda où Link peut se transformer en fée. Donc, voilà. Bon, ce qui permet à passer des obstacles très difficiles, quoi, dont on peut pas avoir accès normalement. Donc, eux, ils dégagent. Putain. Enfin, lui, il est chiant, le renard, là. Enfin, je sais pas quoi, avec son boomerang. Ouais, shield. Histoire de jouer la prudence un petit peu. Vas-y toi, je te défonce. Voilà, les deux en même temps en plus. Ouf, mais c'est magnifique ça. En plus, augmenter mon attaque. Franchement, c'est un excellent épisode, je trouve. Franchement, je suis bien content d'avoir tout ça en un seul épisode. Ça fait vachement plaisir. Donc du coup, on va se laisser au troisième donjon. Et voilà, voilà. Donc voilà, bah écoutez mes amis, merci d'avoir regardé le quatrième épisode du Let's Play de Zelda 2. En tout cas, sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien. Et à bientôt. Salut !